Au Kenya, il est très rare de voir des sauteurs en hauteur qui sautent avec la technique dite de Frostbury. Ils utilisent en effet la technique Maasai. Cette technique leur vient de leur ancêtre. Elle était utilisée pour montrer aux autres tribus leur supériorité. On le voit ici, cette technique s'apparente à un art martial avec le pied qui se jette devant. Malheureusement, nous ne verrons jamais cette technique aux Jeux Olympiques, car celle-ci ne permet pas de sauter aussi haut qu'en Frostbury. Tout le monde le sait, c'est génétique. Mais alors, que fait cet Américain ici? Yeah, ladies and gentlemen, this is a special dedication to all young men in Kenya. This is our time. We got to change things here. Okay. Onge buti gandito ketu yen ilevati nyangaliano. Oh oh, michi neochenge. La plupart d'entre eux ont leur propre jardin. Celui-ci leur permet de s'alimenter convenablement. Ladies and gentlemen, this is a special dedication to all young men in Kenya. This is our time. We got to change things here. Okay. On the wood you gonna need to get to yen. Trouver un athlète esselé ici, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Personne ne s'entraîne seul, ils sont tous en groupe. À chaque sortie, il y a plus d'une centaine d'athlètes. Tout ceci crée une forte émulation.